Des vilaines choses se produisent, mais la façon dont nous réagissons face à elles définit notre caractère. Vous pouvez choisir d'être triste et désespéré et avoir l'impression que la vie est la pire chose qui vous soit jamais arrivée. Mais encore une fois, vous pouvez choisir de négliger le courant de la douleur à temps plein et espérer des meilleurs futurs. Elle s'appelle Varena, une jeune fille de 18 ans que tout le monde appelle zombie ou monstre à cause de son physique. Les gens qui l'intimident et l'appellent par ses noms sont ceux qui vivent dans l'entourage avec elle. Cela fait mal à Varena, mais elle est impuissante. Elle souffre de cette tumeur depuis 11 ans maintenant. Elle est allée à l'hôpital pour un traitement, mais les médecins n'ont pas réussi à la traiter. Ils n'arrêtaient pas de lui dire de rentrer chez elle et de revenir un autre jour. Elle pense que la raison pour laquelle ils faisaient cela était qu'il était évident qu'ils n'ont pas d'argent pour s'assurer le traitement. Elle a continué à souffrir pendant des années jusqu'à ce qu'elle se transforme en ceci aujourd'hui. Et maintenant, tout le monde rit d'elle et la troll de partout. Aujourd'hui, nous sommes allés dans son village où elle vit pour que son histoire puisse être racontée au monde entier et pour qu'elle obtienne le traitement qu'elle mérite parce que selon ce qu'on lui a dit, c'est encore possible pour elle d'avoir un visage normal. Varena est née normalement. Elle n'avait aucun souci. Personne et même pas ses propres parents n'avaient jamais pensé qu'une telle chose lui arriverait. Elle a été aimée et élevée avec tellement d'amour. Tout allait bien à ce moment-là. Elle a été inscrite dans une école voisine comme tous les autres enfants de son âge. C'était une famille heureuse qui n'était pas riche mais appréciait le peu qu'ils avaient. Elle grandissait et lorsqu'elle a atteint l'âge de 7 ans, son visage a été ruiné. Selon elle, tout a commencé comme un petit bouton qui était sur sa tête. Ils ont tous ignoré en premier lieu parce qu'ils pensaient que ça allait disparaître de sitôt. Mais au fil du temps, il s'est avéré qu'il ne s'agit pas d'un bouton normal. Le bouton avait grossi en si peu de temps et devenait inquiétant. C'est à ce moment-là que ses parents ont remarqué que cela devenait sérieux. Alors ils ont décidé de l'amener à l'hôpital dans l'espoir de savoir ce qui lui arrivait. À l'hôpital, les médecins l'ont examiné. Mais n'ont jamais su dire ce qui n'allait pas avec elle. Ils lui ont juste donné quelques pilules, lui ont dit de rentrer chez elle et que tout allait aller pour le mieux. Mais force a été de constater que ce n'a pas été le cas. Quand ils sont rentrés chez eux, la situation a continué à s'empirer. La tumeur a continué à grossir et même encore plus qu'avant. Alors ses parents l'ont ramené à l'hôpital de nouveau. Mais encore une fois, cela n'a servi à rien. Les médecins les ont transférés dans un autre hôpital, bien meilleur selon eux, et qui était supposé effectuer l'opération. Mais étant pauvre, il était évident qu'ils ne pouvaient pas se la permettre. La seule chose qu'ils avaient comme option était de vivre avec elle ainsi, prendre soin de leur fille mourante jusqu'à la toute dernière seconde. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'enfants dans cette société ont remarqué que son visage changeait. Ils ont commencé à l'intimider et à se moquer d'elle en l'appelant par des noms comme monstre ou zombie. Ces noms lui faisaient beaucoup mal, mais à l'âge de 7 ans, elle ne pouvait rien faire pour changer cela. Elle a fini par abandonner l'école parce que c'était impossible pour elle de passer une journée entière avec ses enfants sans être rabaissée. C'était en grande partie un problème qui l'affectait émotionnellement et mentalement. La meilleure chose à faire était de rester à la maison. Elle traverse beaucoup de douleurs, mais elle a l'espoir qu'un jour tout ira bien. Elle obtiendra le traitement qu'elle mérite, bien qu'elle ne sache pas comment ou quand cela arrivera. Beaucoup de gens continuent à rire d'elle à cause de cette tumeur. Elle a quelques rares amis qui ont accepté de la prendre pour qui elle est vraiment. Ils viennent régulièrement la voir et lui donner un coup de main dans son ménage. Ils l'encouragent et lui donnent de la force. Ses parents n'aiment pas non plus voir leur fille souffrir ainsi et passer des... Ils sont également confus et ne savent plus quoi faire. Puisqu'ils ne peuvent pas se payer la chirurgie qu'elle mérite, tout ce qu'ils avaient à faire était de prendre soin d'elle comme elle est.
Elle dit qu'elle a été infectée par cette maladie quand elle avait 7 ans et aujourd'hui, elle en a 18. Ce qui signifie que cela fait 11 ans aujourd'hui qu'elle vit avec cette tumeur qui a affecté son œil droit. Elle a besoin d'un traitement. Elle dit que la situation ne cesse de s'aggraver. Elle craint également que cela ne mette fin à sa vie. Elle est triste quand elle voit d'autres enfants aller à l'école et elle non. Elle n'a plus droit à beaucoup de choses, comme jouer avec les autres dans l'entourage. Elle fait les tâches ménagères à la maison, mais elle ne peut pas tout faire. Elle fait les travaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Elle est toujours assise. Sa tête est très lourde lorsqu'elle est debout. La tumeur l'affecte beaucoup. Elle dort toute la journée. C'est aussi un signe que son corps s'affaiblit et elle a besoin d'aide. Un des médecins lui a dit que la chirurgie dont elle avait besoin coûte environ 8 000 $ américains pour qu'elle reçoive un traitement complet jusqu'à ce qu'elle aille tout à fait bien. Au moment où sa famille recevra cet argent, ils iront immédiatement à l'hôpital pour lui sauver la vie. Nous voulons aider cette fille à avoir un traitement avancé. Pour cela, nous avons organisé une campagne de donation. Si vous voulez faire un don et aider cette fille, nous allons vous laisser le lien de donation dans la description et épingler dans le premier commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Merci et que Dieu vous garde. À la prochaine.